C'était tellement secret que j'ai ignoré où se trouvait la base jusqu'à ce que j'y aille. Et je me suis demandé où j'avais mis les pieds. Les participants au programme ne savaient pas tout. Par exemple, les mécaniciens ignoraient ce qu'on faisait en l'air. C'est dire à quel point c'était secret. Rien ne restait dehors. Sitôt posé, l'avion partait au hangar. Ces hommes testent une des armes les plus importantes de la guerre froide. L'avion espion U-2. Il n'y avait pas d'avion d'entraînement, pas de biplace, pas de simulateur. L'U-2 est équipé d'appareils photo haute résolution conçus pour monter à près de 70 000 pieds, afin de prendre des clichés depuis la limite de la stratosphère. Au moment où la course aux armements s'intensifie, l'U-2 est le meilleur espoir de surveiller l'arsenal sans cesse croissant de l'URSS. Mais il impose des efforts énormes aux pilotes qui sont obligés de respirer de l'oxygène pur pour survivre à de telles altitudes. Certains étaient ravis parce qu'ils allaient prendre une bonne suée. Pas moi. Je préférais dormir, bouquiner ou réfléchir à ce que j'allais faire. Parce que certaines missions n'étaient pas simples. Il fallait voler dans des conditions précises pour qu'elles réussissent. Le moindre kilo supplémentaire risque de réduire le plafond de vol de l'U-2. Tout le carburant se trouvait dans les ailes, donc c'était impossible d'empêcher le bout de racler par terre. C'est pour ça que des roulettes les soutenaient jusqu'au moment où les ailes s'éloignaient du sol. À ce moment-là, les roulettes se décrochaient. J'aimais bien décoller et monter en spirale. L'U-2 a une couverture. Officiellement, il s'agit de recherches météorologiques. C'était notre couverture. On était un escadron de reconnaissance météo.